Salut à tous pour l'épisode 2 de Zelda Four Sword Adventure. Alors cette vidéo est faite à partir du 13 juillet, donc cela signifie que le 13 juillet, comme certains le savent tous, enfin plus ou moins, c'est mon anniversaire et j'ai 18 ans. C'est bon, la majorité est en moi. Mais bref, Monsieur Niruzuka n'est pas là parce que il est très très débordé, le pauvre. Alors du coup, je dois faire l'aventure seul. Mais bon, j'adore comment s'est fait le jeu. Quand même, quand je découvre un jeu, normalement, je découvre tout seul. Normalement, j'ai fait avec Monsieur Niruzuka pour le premier épisode. Mais on va voir ce que je me donne dans l'épisode 2 tout seul. On va voir si j'y arrive. Par exemple, dans tous les Zelda du monde, ben moi, je suis trop fort. Rien ne me surprend dans tous les Zelda, sauf les Zelda les plus récents. Ok, ça c'est ouvert, alors qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, ok, on peut plus ressortir, ça c'est nickel. Ok. Grotte des âmes perdues. Où est-ce que je suis en... Ah! Des lanternes. Mais comment veux-tu que je voie aussi? Une lampe. Si tu as froid, appuie sur le bouton A pour brûler ce qui se trouve devant toi. C'est une blague. Je sais que c'est une blague. Ok, je jetais un pot et j'ai reçu ça. Ah non, c'est juste en soulevant le pot que ça change. Enfin, je sais même pas quel son je peux mettre. Je sais, c'est bizarre ce que je fais. Non, c'est pas vrai. Oh, je me suis débrouillé n'importe comment. Oh, punaise. Oups. J'avais oublié le bouton X. En même temps, il y avait un autre bouton, c'est le bouton L. Oups. Faut bien que je me réhabitue au bouton. Alors, formation carré, ligne, colonne, croix. Bon, c'est bon. D'accord. Bon, bah, d'accord, je ferai du premier coup, génial. Mais sérieusement, ce Link noir est vraiment. C'est vraiment un des. C'est vraiment un personnage très chiant. Faut bien regarder les. Le sol. Regardez si c'est foncé. Alors ça paraît logique. Une petite clé. Ok. Ok, c'est pas attiré. Poussé comme un malade. Vous allez pas me faire toucher. Purée. Ils sont obligés d'avancer comme ça. On peut dire que c'est une équipe d'enfer. Ok,
Pendant une seconde, j'ai cru le pire. Ah. Ok, là, je me débrouille mal. Je vais vraiment jouer comme une merde aujourd'hui. Ok, ben il y a des couleurs différentes qui devraient correspondre à... Qui devraient correspondre, oui. Ah, Link violette est vraiment trop fort. Là, je dois résoudre une énigme. Une minute. Fuck it! Link rouge a une voix bizarre, moi je préfère mieux quand il est en colère. Parce que je trouve que Link vert c'est plutôt normal, Link rouge c'est peut-être en colère, le bleu c'est plutôt du genre qui se la joue cool, disons qu'il est intelligent ou soit encore qu'il est du genre ballot, mais que violet serait du genre à être un peu... toujours joyeux en fait, d'une humeur gay. Et bref. C'est un peu HS ce que je dis, c'est leur sujet. Le prix est plus important. Te voilà la navette de lumière. Ok. Rouge. Bleu. Violet. Vert. A plus les gars. Oh, je préfère même pas quand vous êtes là. Quoi? C'est quoi ce? D'accord, c'est une blague. Putain, mais pas marrant ta blague. Au moins ça m'a permis de faire un avantage. Putain, mais laisse-moi tranquille. Oh génial, maintenant faut que je me casse. Non, non. C'est bizarre, il ne touche. C'est bizarre, il touche mes partenaires, mais ne reçoivent aucun dégât. On va s'en croire. Je sais, c'est chiant un peu de bruit. Putain, touche! Ah, quand même. Une salle à gauche, je veux dire c'est une salle à droite et une salle en haut. Putain de merde. Bordel de merde, ça fait vraiment chier. Ok, tout ça pour ça. Faisons ce provisoire. Non. Chouette. Eh, vous voyez, ils sont invulnérables. Ils
ne rêve pas. Ils sont vraiment invulnérables. Ça, c'est une qualité, ça. Mais bon, en plus, c'est bizarre. Au début, je me retrouve avec 3 cœurs et en fait, notre total, c'est 4 cœurs. Alors qu'en fait, j'en avais eu 6 au départ. En fait, c'est qu'en fait, dans chaque niveau de ce que je viens de remarquer, je vais le préciser parce que là, ça appelle mal. Ça appelle plus ou moins maintenant que je remarque. Et ben en fait, on retombe sur 4 cœurs dans chaque niveau. Les autres réceptacles de cœurs dans lesquels tu avais ramassé dans les derniers niveaux que tu avais fait, et ben c'est compté pour du beurre. C'est juste, voilà quoi, c'est juste pour décorer. Ah ouais, d'accord, ça te met dans l'ambiance, hein, sinon le jeu serait trop facile, hein. Je me demande combien de cœurs je peux en avoir. 7, 8, plus, je sais pas. Mais bon, je m'en fous un petit peu du nombre de cœurs. Par contre, le son est un peu chiant. Garde la casse! Putain! D'accord. Dans ce cas, on bouclier les protège, c'est déjà bien. Par contre, c'est chiant quand même! Faites force, c'est génial! En fait, je vais plutôt à la va-vite. Allez hop! Je suis casseur de peau. Casseur de peau professionnel. Allez, allez, allez hop, 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 hop. Tu trouves quelque chose, quelque part, je sais pas. Hein? Ah, je peux casser les blocs! Ah, bah d'accord, si je peux casser les blocs comme ça, bah, ça m'arrange encore plus! Génial, la petite clé! Maintenant, on peut casser, je peux faire un truc! Tingle, on ne risque pas de venir dans la grotte, c'est impossible! J'espère qu'il reviendra pas! Désolé que le bruit soit chiant, je suis désolé! Si le bruit est chiant, je suis désolé! C'est chouette. Oh génial, un autre étape de cœur. J'en avais trouvé un il y a à peine 3 minutes de cela, mais quand même. Ah mais sinon, c'est bon, on est content, on a la clé, hein. D'abord, j'active. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ces flammes bleues? Un fantôme? Rara, tu as des amis, comme je t'envie. Si tu as des amis, tu peux les propulser au-delà des gouffres. J'ai jamais eu d'amis, tu as de la chance. Rara. Propulser. J'ai déjà joué à Force World sur GBA, mais pas vraiment GBA. Mais sur Nintendo DSi et 3DS, c'est Link Force World Anniversary Edition. Comme ça, on peut jouer au jeu qui s'appelle Force World, dans lequel il était fait sur GBA, mais sur DS, il est vraiment mieux fait. Je me souviens qu'avec mon deuxième partenaire, et ben en fait, je prenais mon deuxième partenaire et ensuite, je jette pas au gouffre! Faut croire que lancer des links, c'est pas facile. Un bracelet bleu. Ah, par contre, il y a quelque chose que j'aime bien. L'arc. Appuie sur le bouton A pour atteindre les ennemis proches ou distants. Tu peux littéralement les transpercer si tu veux tenir le bouton A en français. Le texte est vraiment marrant. Je sens que je vais être mal accueilli. Je sais, il y a un trou. Oh, il y a une gemme qui change de couleur.
Hein? Ah, génial! On peut dire qu'on se sert de sa tête? Oh, punaise! Mais j'en sais pas des points? De faire ça à l'épée, comme ça je gagnerai des points. Des points de baston. Comme dans tous les Zelda, quand je tourne le stick, et ben il fait l'attaque directement. Une attaque tournoyante. Bon, vous venez ou quoi? Faites chier! Oh punaise! Y'a pas de table en vue. Il risque pas de venir. Allez, va le prendre! Yes! Oh mais bon, tu meurs! N'importe quoi. Et pile au moment, 300 gemmes de force, un sentiment d'invincibilité s'empare de toi. Hop, auto-suicide. Oui, bon, c'était marrant 2 minutes. Voilà, hein. Bon, bon, on s'est revu déjà. Et mon petit doigt me dit que je te verrai encore. Ah bon, Sarah, quand ça? Moi qui croyais qu'il n'y avait pas de piège. Enfin, moi qui croyais qu'il y avait un piège. Encore toi? Hihi. Je sens que c'est un piège grossier, il faut choisir gauche ou droite. Mais aucun de ces tonneaux me dit, à part que j'ai eu un cœur. Bon, encore, j'ai pas choisi le mauvais, ça va. Là, il est pas là. Je me demande si ce cœur n'avait pas un rapport qui peut m'aider à trouver mon chemin. Oh bah ça va, j'ai trouvé du premier coup. Génial. Ouhou, n'a pas non plus résisté à l'appel à grotte des âmes perdues. Pour en sortir les mots, il faut tirer une poignée. Attrape-la avec le bouton R. Mets-toi en rang comme ça et avec des amis et tire là. C'est simple. Moi déjà alors je n'ai pas pu le faire, j'ai rendu l'âme seule. 2 poignées. Je tire la gauche. Ah, on peut pas le faire seul. Tel qu'il a dit, on peut pas le faire seul. Une coopération s'impose. Parfois, je me dis si c'est pas choquant ce que je suis en train de voir. Non, ne me dis pas que vous avez pas pensé, hein. Oh, génial! 7 cœurs. Ne me dites pas que vous n'avez pas pensé à ce que je pense. C'est... Ah. Je préfère ne pas savoir. C'est bon, la carte a un peu bougé, non? Mais juste la bouger un tout petit peu. Voilà. Je comprends qu'ils font ça avec tant d'entrain. Il faut pas abuser quand même de ce qu'ils font. Bon, ça va, il n'y a pas de piège. C'était gentil. Oh, c'est pas... Faut écraser le nymphe noir. Ça, c'est tout moi, ça. Mais en fait, c'est un vrai plus romain. Peut-être t'as déjà pas eu assez, peut-être.
Vas-y, terrasse-le! Vas-y, Link Bleu! Attention! Mince! Alors, est-ce que c'est autrement? J'aurais pu transpercer à l'arc, mais bon. Peut-être qu'à l'arc, ça aurait été protégé, soit. Oups. Bon, c'est bon, j'étais peut-être pas m'en occuper. Ce fantôme, je vais le laisser un peu tranquille quand même. Génial, il fait de la force, ça m'en fait 4. Chouette! Je me suis pas mal débrouillé, on a eu quelques petites cascades en tout genre. Ça va, la grotte était à peu près longue. Et bien sûr! Vous croyez franchement que j'ai continué à jouer? Évidemment! Je ferai l'épisode 3 qui sera le château d'Hyrule. Et en plus, il y a un cristal qui m'attend. Je me demande que... Je pense que c'est une fille qui est là-dedans. Oui, c'est parce que j'avais vu qu'il était transformé en pierre au début de l'épisode. Non, c'est quelle fille? Et bref, ça c'est qu'un détail. Bref, ceci est la fin de l'épisode. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. L'épisode 3. En route pour le château d'Hyrule. Bien sûr, nous serons encore loin de terminer. On aura encore bientôt des jeunes filles à sauver. Ça me rappelle trop Link to the Past. Incroyable quand même. Bon allez, ciao tout le monde.